Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Puzzle & Dragons Z. Et aujourd'hui j'espère que vous êtes chauds parce qu'on va délivrer le Temple de l'Eau. Donc gros dragon au programme. Et c'est tant mieux parce que nous allons libérer la Terre. Allez, le Temple vouré à Nirai Kanai. Ah oh bah il avance tout seul, il est chaud mon perso. Xeleco, nous y voilà enfin, le Temple de l'Eau. C'est ici que réside Nirai Kanai, dragon céleste bleu. Terra son Momo et Junjun pour la délivrer de leur emprise. Erilalam Nirai Kanai Deomisme. Deomisme à chaque fois. Hein. Ah, l'eau. Du coup, on va peut-être jouer avec de la plante. Et voilà, c'est ouvert après toi, Xeleco. On y va, on y va. Zabgon, Zablion, Zabshark. Ah, c'est du 5 éléments. On va éviter le feu déjà. C'est du 5 éléments. Cette équipe m'a l'air pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Augmente légèrement l'attaque de tes monstres bois. Bah, ça tombe bien, j'en ai plein. On y va avec ça. Ok, donc pour l'instant il y a de l'eau. Il y a pas mal de ténèbres, j'ai bien fait d'en prendre un de ténèbres. Ok, ils sont pas tous très forts, mais quand même. J'ai pas de monstre de lumière, mais bon, avec le bois ça devrait passer suffisamment. Hein. On va essayer de faire des petits combos, donc à chaque fois au moins des combos 2-3 minimum. C'est la base. Une puce de Zabgon, ça va être cool pour faire évoluer. On va aller à... peut-être à gauche, là. Et chercher le bonus, tiens. Que ce sera de l'XP, ça va être rentable parce que mon dragon de ténèbres est un petit peu la ramasse. Oh salut Xeleco, tu as l'air en forme dis-moi. La majorité des monstres de la région sont d'éléments eau, alors la meilleure chose à faire, c'est de mettre des monstres d'éléments bois dans ton équipe. Je ne sais pas si tu le sais, mais il faut essayer d'attaquer tes ennemis avec les orbes de l'élément qu'ils redoutent le plus. Car si tu utilises les bons orbes, ceux de l'élément auquel tes ennemis sont vulnérables, tu peux leur faire très très mal. Mais attention, si tous les monstres de ton équipe sont du même élément, ça veut dire que tu ne pourras attaquer qu'avec des orbes correspondant à cet élément, et ça peut parfois être embêtant. Alors je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir dans son équipe des monstres d'un ou deux éléments différents, pas plus. Si ça, je dis rien, à bon entendeur. Oui, oui. Normal. Alors... c'est pas ce que je voulais faire. J'avais une autre idée en tête, mais... pourquoi j'arrive pas à voir ce que je veux faire? Attendez, je me concentre. Ah ouais, mais ça aide pas. Ok, c'est pas grave, on s'en fout. Elles sont vraiment foutues n'importe comment les orbes là. Allez, on avance. Donc là, 4 bois, je pense que c'est pas mal. On garde quand même 2 éléments au cas où. Parce que une petite eau, c'est pas mal s'il y a du feu. On ne sait jamais, mais là, c'est pas le cas. Il y a pas mal d'ombre et lumière aussi, quand même, là. Ténèbres et lumière, pardon. Bon, on a eu de la chance parce que ce matin, mon
capture bord d'essayer de rendre l'âme. Le son déconné. J'ai galéré pendant au moins un quart d'heure à ce qu'il se connecte normal. Oh, pour une compétence niveau maximal, on s'en fout. À la limite, pour le versus, je vais les éclater. Ah, les puces de Zapgon. C'est pas mal ça finalement ici. Lumière. Oh, deux puces, c'est bon. Par contre, si le truc il est en plusieurs parties, on va peut-être se dépêcher. Moins de réflexion, plus d'action. Petite puce, on va pas se plaindre. Ouah, il pique les chacals. Ah, c'est vrai qu'il rapporte un max d'XP, faut les défoncer en un combo. Ah, parfait ça, merci, je te remercie. T'es mignon toi. Non mais maintenant il nous faut des méga shiny, c'est ce qui nous intéresse. T'as des méga shiny, méga bubbly, méga woodsy, tout ça. Allez, le premier boss. Enfin, le premier sous-boss. Enfin, c'est là que c'est déjà un truc qui tue. Un Zablion ou un Zapshark. On a déjà eu affaire à ça. Et voilà, c'est bon. Putain, monsieur de ténèbres, il a pris qu'un niveau, je pensais qu'il aurait pris plus. Hein. On a eu un masse... On a eu masse puce de Zapgon. Ça pourrait être utile. Antichambre du prêtre, Zablion, Zapshark, et on ne sait pas. On va continuer avec celui-là. Et on va prendre... On va prendre la Sarah, hein, qui évolue bien, niveau 22. Et puis le champ, c'est toujours utile en toutes circonstances. Hein. Alors, on va aller prendre... Ouh, il y a un gros coffre à droite, ici. On va être tenté d'aller le chercher. Ils alignent déjà du costaud, hein. Parce que tout à l'heure c'était le boss et maintenant on a déjà du Zapshark dès le niveau 1. Quand même! Oh, il me faut plus d'or que ça, c'est dégueulasse ça. Moi j'aurais dû les changer en bois. Faut que je me serve de ça pour les changer.
Une puce? Ah, dommage. À droite, à droite, à droite. Non! J'ai pas le choix là. La pression. Il a l'air super gros ce coffre. Il commence à tanker les trucs là. Ok, faut se méfier. Est-ce que l'orbe Z, ça donnerait pas obligatoirement une orbe si tu tues le mec avec? Telle est la question. Commence à être fort eux. Surtout qu'ils font mal en plus. Ah chier, j'ai pas pu. J'ai tenté de leur monter pourtant. Ah, il me faut une puce de ces trucs là, j'en ai besoin. Yo Xeleko, Eddie, tu savais ça? J'ai réalisé qu'on peut restaurer ses points de compétence en éliminant des orbes. Plus tu élimines d'orbes, plus tu regagnes des points de compétence, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors ils sont pas bons mes conseils? Non, ils sont à chier. Ça fait 20 ans qu'on le sait, ça t'es nul toi! Casse-toi! Beaucoup de lumière. J'aurais peut-être dû en garder quelques-unes, en aligner que 3. Zablion s'écroule. Allez, je veux le coffre, il a l'air tellement énorme celui-là. Ouh, Aqua Knight. Sympa. Bon, ça consomme cher en orbes, tous ces conneries. Et ils ont de la défense, ceux-là, purée. Allez, ça, ça passe. Le petit heal. On est full vie, 6200 points de vie pour l'instant. C'est correct. Et le coffre. Voyons ce qu'il y a dedans. Élimine 5 verticalement. Attends, ils sont sérieux là ?
falloir aller vite. Hein. Bim! Talisman Z de Saphir Dragon. Ben voilà, ça déconne plus. On a de la difficulté là à faire les transformations. Merde. Trop de ténèbres là. Ça, c'est pas trop dérangeant. Bingo. Allez, le boss. On va s'attendre à deux Aquanites, un truc comme ça. Berserk et Aquanite. Oh là là, ils sont stylés, eux. Oh, c'est assez grave, quand même. Allez, faut réunir les 5. Donc. Boum. Je fais ça, je fais ça, ça. Boum. Ah, les boss, je les démonte là en termes de strat. Oh, oh. On a l'œuf. L'œuf de Berserk. Oh là là. S'il vous plaît, mes amis. Ah, ça, ça déchire. Hein. Parce que là, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais comme quoi, tout peut nous surprendre. On va aller le faire, hein. De toute façon on y va. On va le faire éclore cet œuf. Le petit œuf. Fais-nous plaisir, hein, gros berserk. Éclosion à niveau 1, pas de chance, pas de méga éclosion. Boîte à monstres. Alors, augmente légèrement l'attaque de tes monstres de type divin ou dragonoïde. Transforme les orbes de cœur en orbes d'eau. Bah, c'est pas mal hein, son pouvoir, mais ça coûte 4 par contre, ça coûte très très cher. Ça coûte très trop cher même peut-être. On verra plus tard. Je vais voir pour peut-être mettre un monstre. Sauf si je le fais évoluer, le petit asticot. Non, pour le heal, c'est trop important. On va faire comme ça. Bon, le temple tient toutes ses promesses pour l'instant. Il y a un petit peu de difficulté et tout. Donc bon, là, c'est les mêmes. Donc on recommence.
Je vais prendre lui parce que quand je fais des petits combos, il remplit un petit peu plus la jauge de compétences. Et comme elle coûte 3, celle qui nécessite de transformer les orbes de feu en bois, ben du coup, vaut mieux que j'en garde. Par exemple, là, j'aurais déjà aimé la faire. Apparemment c'est déjà le boss, il est plus court hein, celui-là. C'est étrange. Il faut que notre Ryo il soit à fond, hein. Faut que notre petit Ryo de lumière nous donne un rayon de lumière. Ok, c'était pas mal, mais bon. On veut du pex, on veut du pex, que les femmes oublient leur complexe. Oh, c'est nul ça. Oh oui! Pardon. C'est bon. Attends, 4500 d'XP quoi. Faut pas les louper ceux-là maintenant. Je comprends à quoi ça sert les versus. J'étais un peu paniqué. Ah, au même moment où je finis le dernier bout. Pas de chance. Eh ben non, comme ça on a la certitude, c'est si on finit avec une orbe Z, ça ne fait pas forcément les points. Ah, ils ont de la défense, cela m'énerve. Le tuez pas, faut que je transforme tout en feu. Non, trop tard. Ouh, la puce de Zap Shark. Ils ont voulu mettre de la difficulté, mais en fait, quand t'as le bon monstre, c'est juste génial, quoi. J'aurais dû en aligner 5, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Ah, deuxième puce de Zap Shark. Encore un petit versus. On a notre Kiragon qui est bientôt niveau 25, qu'on pourra stocker. Faire évoluer. Ah oui, donc lui il balance de la ténèbre, tu t'y attends pas et boum dans ta face. Ah, j'étais en train de ramener l'eau là-haut.
Faut s'en débarrasser vite là. Voilà, avec la lumière ça passe tranquille. Concentration était son maximum parce que là je viens de me prendre des grosses claques. Zut! Ah là là, il me les empoisonne à chaque fois, à chaque âne. Allez, le heal, ça remonte. On est chaud pour le boss. Wouhou. Oh, il m'aura fait mal celui-là. T'es pas facile. C'est le moment de se soigner ou de faire un change oub. C'est pas suffisant. Et un œuf d'Aquanite. Eh bien comme ça c'est bon. Ah oui mais ça va nous donner le tout petit là par contre. Ok, c'est le boss, attention. On va voir à quoi il ressemble. Honorable Xidécrou, enfin, on vous attendait. Il me saoule tellement que je leur fais des voix de merde maintenant. On ne vous l'a peut-être pas encore dit, mais mon frère et moi sommes jumeaux. Sérieux? C'est vrai que nous disputons souvent, mais tous les frères font ça. Oui, enfin, peut-être pas tous non plus. En tout cas, nous, on n'est jamais d'accord. Mais on a une super idée. Oui, une super idée pour décider qui a raison et qui a tort. Exactement. Celui qui a raison, c'est celui qui arrivera à te battre. Facile. Ben voyons. Alors l'issue de ce combat déterminera si oui ou non on mangera des nouilles ce soir. En garde, ils sont irrécupérables ces deux-là. J'invoque Nirai Kanai, dragon céleste bleu. Accroche-toi bien, honorable Zeleko. Wouah, il déchire. Il déchire, il a l'air de faire trop mal, comme tous les dragons.
Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était nul. Méga skill break. What? Non! Il m'a enlevé toute ma jauge! Alors là, comment ça déconne même plus? Le mec, je vais le défoncer. Il me faut trois trucs de direct. J'ai peur quand il va attaquer. Non, sérieusement. J'ai deux tours pour me heal et tout. Oups, je suis mort. J'ai pas pensé au heal. Ok. Ouais, ok. Allez, plus de combos. Aïe, 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 aïe. Oh non, il le booste en dégâts. Il va me défoncer direct. Non, c'est pas juste ça. Il me faut le dernier petit heal. Ah là c'est pas mal. Ah là, si Moes, bah j'y peux rien. Hein. Ah. Ok. Tu as repris connaissance, ces dragons sont loués, ne surestime jamais tes forces. Bon, on se redonne un essai, on va prendre peut-être celui qui nous donne plus de points de vie à nos monstres. Ou la régène de Sarah si on l'a. Mais là, je pense que je vais y aller complètement qu'avec des monstres de bois, quoi. Ah, déjà, on a un œuf. Allez, faire éclore. Bon, on ira après. Boîte de monstres. Même lui, il me donnerait plus de défense quand même. Oh, c'est 220. Je sais pas. Oh, lui, 319. Soixante-treize. Il donne pas un max de défense, hein, ça c'est clair. Lui, il en donne un max par contre. On n'a pas le choix, les gars. On va le faire évoluer, le petit. On a besoin de toute sa puissance. Tu vas évoluer, Morrigan. On a besoin de toi, on a besoin de tout ton pouvoir.
Bon, déjà, on va avoir gagné un petit peu en défense, hein, je pense. Bah, pas grand-chose, forcément, mais... il est où notre Moriette? On va aller passer de 75 à 102. On va gagner un peu de points de vie. J'avoue qu'en sustain, je mettrais bien... un cululu. Augmente légèrement l'attaque de tes monstres d'éléments bois ou de type dragon pur. Ouais. Oh, ça aide. Hein. Non, mais c'était un 3 étoiles le guerrier, tu m'étonnes. Mysticas Knight. Transforme les orbes de bois en orbes d'eau. Ah bah ça c'est bien ça. Trois étoiles quand même. Bon, allons-y. On va se le péter ce dragon. Deuxième essai pour cette vidéo. Sinon il va falloir que je pexe. Augmente légèrement l'attaque de tes monstres d'éléments bois, réduit la défense des ennemis pour 3 tours, mais... Ah, il a 1379 points de vie, ça peut être utile. Indique comment manipuler les orbes pour obtenir un combo. The fuck. Allez, on prend du gros, du lourd, un dragon pur bois. Oh, j'y suis arrivé. Alors ça, c'est beau, les deux extrêmes, quoi. Ok, ça marche bien, déjà. Oh, 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 oh le petit œuf. J'en ai toujours pas trois, ça m'énerve. Yes, on va pouvoir changer tout. Tout à l'heure, il m'a fait un 6500 et quelques, 6512, je crois. Merde. Bon, ça passe. Ok. Un versus. Allez, pas de ténèbres là. Oh là là, du feu. Évidemment. Combo Breaker! Mais c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire sur le boss, quoi. Pas facile. Ok, on va y arriver. On va y arriver. J'ai confiance, là, cette fois-ci. Sinon, ça sera une vidéo dans le vide. Enfin, une vidéo dans le vide, non. Une vidéo de stratégie, quand même. Hmm.
c'est pas mal, là. Ça booste énormément, hein, parce que vous avez vu que ça s'arrête genre à 400, et là, ça double à 800 au niveau des dégâts grâce à mon leader. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai l'impression. Hein. Regardez, je vais juste aligner 3 orbes, regardez les dégâts. Là, hop, 400, et là, boum, boost à 680 et plus, juste avec 3 orbes. Un petit coffre, bon ça ce sera sûrement des cubes des volts. Talisman de saphir dragon. Est-ce que ils sont forts ces... Comment dire, ces... ceux-là. Parce que j'ai vu que tu peux utiliser les talismans pour créer des donjons, mais est-ce que le niveau est élevé ou pas? Au pire j'essaierai. Quelle est la différence entre un talisman classique et un talisman Z, par exemple? Ah, j'aurais dû aligner 5, là je fais n'importe quoi. Salopard. On t'a pris cher quand même. Je vais utiliser ça juste avant parce que le boss me le réduit au premier tour, je vous le rappelle. Donc autant changer toutes les orbes de merde. Ah non, ça n'a rien utilisé. Quoi, c'est pas le même truc? Vous avez déjà un smartphone à votre âge? Allez, salaud, ils ont mis des discussions de... Si tu veux découvrir toutes les lignes de dialogue du jeu, il faut que tu perdes. Bien, bien, bien. On ouvre correctement les hostilités. Ah. Bleu, bleu. C'est pas ça que je voulais faire. Loupé. Zut. Au même moment où il y avait plein de feu. Faut que je fasse du bleu, faut que je fasse du bois. Ça, c'est pas mal. Ah, j'ai pas eu assez de combo dessus. Non. On y croit, les gars. Ah, il me faut des orbes, là. J'ai tellement de feu que je peux faire plein de bois. Faut que j'essaye de les conserver au maximum et que je fasse plein de combos sans... J'ai gagné qu'un point et là, il va me martyriser. Oh, 6591, c'est n'importe quoi! C'est complètement n'importe quoi!
Arrêtez! Rendez-moi tout! J'ai un monstre bois en plus, s'il vous plaît, il est amélioré. J'ai un monstre bois en plus, au lieu d'un... Du coup, au niveau de l'absorption des dégâts, je dois absorber beaucoup plus, hein. Bon. C'est à lui qu'il faut que j'apporte les talismans, je crois, non? On y va, nous. Après tout, on se pose pas de questions. Donjon où l'on rencontre des saphirs dragons. Oh, waouh! Nice! Il va falloir croiser les doigts. Ah la vache, saloperie. Ok, je vois le genre. Non, en fait, faut plein d'éléments là. Ça sert à rien ça. Ah, on a peut-être une chance. Faut que j'attaque avec 5 monstres au passage. Donc faut que j'aligne les 3 lumières. Voilà. Oui. Oh là là, du premier coup. Enfin, je sais pas si le loot est élevé. Waouh, 3000 pecs. Tu m'étonnes. Ok, je comprends à quoi servent les talismans, mes amis. Faut que j'aligne 3 verts et 3 bleus. Voilà. Allez, encore une fois. Non, non, t'es sérieux, pas toi. Je peux pas me faire ça. Enfin, 2x5 en fait, ça marche comme ça, hein, c'est pas mal. Là il faut que j'allume. Ah non, mais arrêtez, ils se barrent tous. Bon, j'en ai eu un, mais bon. Là je peux pas aligner de l'eau. Et on en a que 4, c'est le bordel. Non. Oh, sérieux, comment tu veux les buter quand ils font ça? Je savais pas que les 5 ça... Je savais pas que les 5 c'était direct en fait. Oh bah si j'avais su. C'est n'importe quoi. Bon, on va pas faire le talisman Z, mais dites-moi à quoi correspond le talisman Z. Est-ce que c'est déjà des méga dragons évolués? Ça serait un peu oufissime. Bon alors là c'est la fiesta, hein.
Donc maintenant, si je me plante pas, on a les deux. On a donc un Zapshark ici, et on, là, on a obtenu un Zablion. Comme ça, on a les deux, là, c'est plutôt cool. Te permet de fuir le combat, augmente les chances de trouver un objet après avoir vaincu un ennemi d'élément haut. Ça, c'est quand même un 5 étoiles, le chacal. Hein. Ça va être trop dur à faire évoluer, en plus, ces conneries-là. Ok, bon, au niveau du PEC, c'est rentable. Et on peut toujours pas faire évoluer notre comment il s'appelle? Je pense que d'ici la prochaine vidéo, je vais le faire évoluer, lui. Il me faut des puces de Kiragon, donc je vais essayer d'aller en farmer. Je vais le garder en lance une attaque de lumière multipliée par 5 sur un seul ennemi, ça m'a l'air stylé, ça. En plus, il a moins de points de vie, mais il a énormément de défense en plus, donc... Kiravolt, ça me plaît bien. Écoutez, je vais le faire, ça. Le petit. On va le faire évoluer d'ici la prochaine vidéo. Je vous le garderai pour le début de la vidéo, dès qu'il sera prêt à évoluer. Comme ça, on commencera sur les chapeaux de roue. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Puzzle Dragon, je me suis fait défoncer par le Dragon d'eau, donc faudra s'améliorer, hein. Va falloir XP. Tant mieux. Comme ça, moi, je peux jouer entre deux vidéos. Parfois, j'ai envie de jouer à un jeu, mais je peux pas entre deux vidéos parce que je me dis, non, faut que je filme, je peux pas jouer. Mais là, oui, il va falloir que je joue, il va falloir que je pexe. La difficulté est arrivée, ça monte vraiment, on est au deuxième temple seulement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de soirée, et à très bientôt pour mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde !